Salut à tous et toutes, c'est Radiax, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je me présente, voilà, enfin en face de vous. Donc vous pouvez mettre maintenant une tête sur, sur les mots. Et je vous présente une vidéo un peu spéciale pour tout simplement vous montrer un colis que j'attendais depuis un petit bout de temps. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Devni, donc c'est un youtubeur, on va dire, qui commence à se faire un nom et qui en fait propose d'acheter par exemple des fonds d'écran, avatar et tout plein d'accessoires comme ça pour personnaliser sa chaîne YouTube, etc. Dans l'univers de Minecraft, en fait, on reprend votre skin et puis tout simplement il va le redessiner lui-même. Alors, j'ai participé à un concours et j'ai eu la chance en plus d'être tiré au sort pour gagner une toile que je viens juste de recevoir et c'est la raison de cette vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Voilà, c'est pour ceux qui ont reconnu, et c'est tout simplement une toile d'Iron Man. Donc, c'est un de mes, on va dire, super-héros préférés, pour pas dire mon super-héros préféré. Et donc, c'est aussi mon avatar Minecraft et donc Evni. M'a gentiment fait ce superbe avatar. Vous pouvez le voir, il est franchement magnifique. Vous pouvez voir en plus en haut que se trouve le nom de ma chaîne YouTube ainsi que mon pseudo, bien sûr, sur Minecraft. J'ai également un petit mot de la part d'Evni, donc qui me dit que c'est en souvenir des années Minecraft. Donc, c'est un petit cadre que je vais garder très très longtemps, que je vais même accrocher dès que j'ai fini la vidéo, et tout contre mon lit. Et puis j'ai également bien sûr la signature d'Evni ainsi que la date à laquelle ça a été fait. Voilà. Donc un petit cadre. Donc c'est pas très grand, mais c'est super beau. En plus, j'ai reçu avec cela une carte d'Evni, donc bien sûr pour moi, qui me précise bien sûr que c'est la première fois qu'il effectue un dessin tout simplement sur toile. Et vous pouvez voir d'ailleurs que c'est plutôt réussi hein, pour une première. C'est même très très réussi, hein. Il aurait pas dit, je n'aurais jamais pensé que c'était sa première. En tout cas, ça reprend bien le style qu'il fait sur sa chaîne avec Photoshop, etc. Et en plus, je sais pas si vous avez vu sur la carte, mais il a une très très belle écriture et je pense que ça va garder, ça va rester très très longtemps avec moi, hein. C'est sûr que c'est un cadeau que j'adore et que j'apprécie énormément. En tout cas, je te remercie beaucoup, Evni, si tu regardes la vidéo. J'ai énormément apprécié le cadeau, j'ai trouvé ça superbe. Voilà, le petit Iron Man, voilà, je suis content, c'est super beau. Et je te remercie énormément pour ce magnifique cadeau. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire en fait pour cette vidéo, juste pour vous montrer ce qu'avait fait Evni et bien sûr pour vous montrer sa chaîne, pour vous donner un lien et pour vous inciter bien sûr à le suivre si vous aimez ce genre de dessin. En tout cas, c'est un youtubeur que j'apprécie énormément et que je trouve qu'il a beaucoup de talent. Voilà, il fait des dessins qui sont de très très bonne qualité. Voilà, tout ça pour dire que je continue bien sûr le let's play de The Walking Dead. D'ici peu, pendant les vacances, bien sûr, j'aurai plus de temps pour le faire. J'aurai le temps aussi de faire d'autres let's play. Je pense peut-être faire Limbo, qui est un jeu que j'ai refait, enfin fait plutôt il n'y a pas très très longtemps, et que j'ai énormément apprécié. Peut-être pourquoi pas le faire partager aux autres. On a aussi bien sûr le deuxième épisode de The Walking Dead qui devrait arriver pendant l'été, voire même le troisième. Donc bien sûr, ça sera fait en let's play, tout comme tous les épisodes qui sortiront jusqu'à la fin de la série. Voilà, donc c'est à peu près les annonces que j'avais à donner. Puis niveau vidéo test, il y en a encore quelques-uns qui arrivent. Il y a Diablo 3, il va y avoir The Walking Dead, The Third Showdown. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir peut-être un vidéo test de Counter-Strike, aussi de l'éditeur de map de Portal 2. À l'heure auquel je fais la vidéo, ce n'est pas encore fait, donc je fais des avances et ce n'est pas encore sûr que je les fasse tous. J'essaierai bien sûr d'en faire un maximum. Pour continuer à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube et je prendrai bien sûr plus de temps pendant les vacances parce que là c'est un petit peu ricrac au niveau du temps étant donné qu'il y a le bac, etc. Donc voilà. Voilà, sur ce, je vous représente une dernière fois la petite toile de nuit qui m'a énormément fait plaisir, pardon. Et encore un grand merci à toi, Evni, pour ce superbe cadeau.
que je trouve vraiment magnifique. Voilà. Et ben sur ce, ben, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. En attendant, ben comme d'habitude, hein, jouez bien aux jeux vidéo. Prenez du bon temps, bien sûr, c'est fait pour ça. Et ben je vous dis à la prochaine. Bye bye.